Bonjour. Je suis la sœur Esther. Je suis arrivée par une roue au mois de fin septembre, début octobre. J'ai donné ma vie à Jésus en début octobre. Je suis issue de la communauté musulmane. Mes parents sont toujours musulmans. Et je suis arrivée à Christ par hasard, entre guillemets, en faisant des recherches sur Internet. Je suis tombée sur beaucoup de témoignages qui parlaient de musulmans devenus chrétiens. Et je trouvais bizarre. Donc je me suis dit, c'est intéressant quand même ce qu'ils racontent. À chercher. Et finalement, un beau jour, je me retrouve dans un magasin, je dis à mon fils, on va aller à Cultura, et je me retrouve à acheter une Bible. Et c'était le Nouveau Testament, donc j'ai lu tout le Nouveau Testament. Et tout ça pour vous dire que depuis que je sais lire, on nous donnait des livres à apprendre à lire à l'école, j'allais toujours au résumé parce que je n'aime pas lire. Et j'ai lu la Bible en entier cette fois. C'est la première fois que je lis un livre en entier. Donc je me suis mise à chercher une église de m'accueillir et je vous ai trouvé. Et vous m'avez accueilli et je vous en remercie. Je rends toute la grâce revient à Jésus. Et moi je suis sur Saint-Brieuc depuis 2017 et j'ai commencé à travailler en 2018 à l'hôpital. J'étais aux urgences jusque fin 2019, début 2020, et en janvier 2020, on m'a mise en service de réanimation. Et là, j'ai commencé à avoir peur, parce qu'il y a le coronavirus qui est arrivé, et là, ça n'allait plus du tout. Donc, j'ai fait ce que je pouvais faire, et je voyais les gens mourir autour de moi dans le service. Il y avait beaucoup de décès. Et c'est vrai que depuis quelques années, on va dire une quinzaine d'années maintenant, j'avais les mains qui me chauffaient de temps en temps. Je ne me suis jamais perdue de ça. Je n'ai même pas fait attention. Et quand je suis arrivée à Christ, cette chaleur dans les mains s'est accentuée. Et quand j'ai lu la Bible, j'ai vu que chaque fois que Jésus était ému de compassion, quand il voyait des gens qui avaient besoin de lui, il était ému de compassion. Et il les déclarait guéris par leur foi. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer, vu que ça chauffe, il y a peut-être quelque chose qui doit se passer là. J'ai commencé à poser ma main sur mes six malades attitrés. J'ai commencé à imposer les mains et en rentrant, je priais pour eux à chaque fois. Et un par un, j'avais trois personnes du coronavirus qui sont guéries. Une tentative de suicide qui a été très loin, qui est guérie. Un monsieur dont on avait trouvé des nécroses les intestins commençaient à courir, ils étaient non fonctionnels. Du jour au lendemain, plus rien, il est guéri. Et un garçon qui avait un accident de voiture avec un gros trauma crânien, qui était les yeux ouverts mais qui n'était plus du tout avec nous, qui a commencé à reprendre conscience et qui est guéri, qui est sorti du service. Donc voilà. Donc je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu. Et comme tout parent, je prie toujours pour mes enfants et je demande que mes enfants soient bénis. Et un jour, mon fils aîné est arrivé. Il me dit, maman, j'ai oublié de te parler. J'étais en ville et un vieux monsieur est venu vers moi et il m'a demandé de l'argent pour aller à la boulangerie parce qu'il n'avait pas d'argent. Il m'a dit qu'il était à la retraite et qu'il lui manquait 20 ou 30 centimes pour acheter du pain. Il me dit, j'avais 5 euros sur moi. Sur les 5 euros, je lui ai donné 3 euros. J'ai gardé 2 euros sur moi. Et il me dit en partant, ce monsieur, vieux monsieur m'a dit, sois béni. Et il est parti. Et mon deuxième fils de 10 ans qui me dit, 3-4 jours plus tard, maman, j'étais en train de jouer dans le parc et il y avait un monsieur qui était assis tout seul sur le banc. Il avait l'air triste. Alors je ne sais pas ce que je pouvais faire pour lui. J'ai cueilli une fleur et je lui ai donné. Le monsieur m'a demandé, est-ce que tu crois en Dieu? Et il a sorti une photo avec un prêtre dessus et derrière il y avait l'histoire du Sacré-Cœur de Jésus. Il a dit à mon fils, garde ça très précieusement jusqu'à ce que tu deviennes grand, garde-la très précieusement. Mon fils est venu me trouver, il m'a dit ça et j'ai tout de suite su qu'en fait
le Seigneur avait béni mes enfants par rapport à ça et que c'est de la bouche de mes enfants que je m'entendais. Il est digne. Donc c'était le témoignage que je voulais faire aujourd'hui. Il y a eu tellement de choses que je peux pas tout dire. Il y en a beaucoup. Mais je rends grâce à Dieu. Je remercie vraiment le Seigneur et soyez bénis abondamment. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Ah non. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Acclamer. Sois loué. Est-ce qu'on dit pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire sois de loué, Dieu? Sois loué. Sois loué. Il n'y a que Jésus. Nous ensemble. Oumisae, Sanjolae, Metsolae, Oumisae, Tombolae. Datolae, Abongi Nankem, Oumisae, Sanjolae, Netolae, Dombolae, Oumisae, Sanjolae, Abongi Nankem, Oumisae, Sanjolae, Netolae, Zamboyo, Abongi Nankem, Oumisae, Sanjolae, Netolae, Dombolae, Abongi Nankem, Oumisae, Sanjolae, Netolae, Zamboyo, Abongi Nankem, Tombola, 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 Abongina kem, tombola, Sanjola, Abongina kem, tombola, Sanjola, Abongina kem, boy.